Toujours,
Combien de prisonniers? C'est le roi des kidnappeurs. Le roi est le père des sanguinaires. On n'a pas peur de tuer l'homme. Dans un pays où on prend le temps de droit, on enlève quelqu'un 20 journées pour les équiter et puis les jeter à Kingawa. Tuer l'homme. Voici à Kenda. De l'eau, j'ai eu bien guéri. Tuer l'homme. Tuer l'homme. Tuer l'homme. Tu paieras tôt ou tard. Tuer l'homme. Tuer l'homme. Tu vas payer trop cher. Tuer l'homme. En décembre, on est là, tu pars. Vous allez payer trop cher. Mais quoi qu'il a peur. Pourquoi est-il là? Moni Chéribert Okende, député, un ancien ministre de l'Issoussou, politicien de taille haute, et bien, enlevé, bakéi, babonié. Et on a mis sur le biboé. Politique intérieure au régime et l'ingo tcha. Tout ressemble à Simate. Ma généraux, banani, baleka, namboko. Ndeko Kabila Kendaki. Kasi politique, ouais, tout moni, en haut, le loyo. Et ça, t'en est pas encore sabiso. De comprendre si l'insécurité sont où t'es là. De comprendre si qu'on enlève les bimé là. Ndeko Chéribert Okende. Bah, les faire en quatre à coups constitutionnels, bah, qui va bomber, bah, saboter quand on a une appli de 6 balles. Yangwana Tolobi, bisot aussi bonne note, mais rendez-vous dans Irne. Wanande Siga Sanctuaire Gobima, Beto Zatana, une seconde, Yarobaxé là-bas, régime Oyo, pour Eza incapable, Yako sécuriser peuple, Eza incapable, Yako laisse sa peuple. Tolobi, l'un des gars, c'est que dit dans le régime Nae, et coquille. On touchait ici quand ma père, on y a dit, on a mis ça à l'autre tenté. On l'a assassiné. Et on n'a pas voulu se taire en ce jour. Pourquoi? Parce qu'il y a Mike Ebaï, qui est notre camarade aussi, qui est à Makala. Il y a les conseillers du président Katumbi qui est à Ndolo. Et aujourd'hui, du coup, je vous parle, c'est Chéribert Okende qui se trouve à la mort. Mais on comprend, tout ça c'est juste, les régimes veulent nous faire peur. Ils veulent surtout qu'on ne parle plus. Voilà pourquoi il est en train de faire ce manœuvre. Mais la population est déterminée. Chéribert n'a rien fait. Son seul péché était de refuser de collaborer avec le régime en place. Mais par rapport à sa mort, nous savons qu'il y a une main noire derrière cette histoire. Après les enquêtes, nous nous rassurons qu'on reviendra encore vers vous pour vous parler de ce qui s'est passé. Mais malgré ça, on reste la tête haute. Ok, c'est une expression de colère, d'indignation, dites-nous. De colère surtout. On est vraiment en colère parce que le peuple d'abord, que M. Félix, ce qu'il nous a promis, c'est pas ce qu'on voit. Il y a eu l'insécurité totale dans la ville. Et comment on peut enlever quelqu'un à la cour constitutionnelle? Comment on peut le tuer comme ça? On peut l'assassiner au sein de la cour constitutionnelle. Mais bon, Dieu est juste. Le sang de chérubin va crier au-dessus de leur tête. Et voilà. Aux siège national, aux arts. On
Température est bien été, tout ça bien été. Tout ça qui circule lobby, dans ma 16h, papa, il m'a dit que le petit a le Sénat, il va courir comme ça. Il a sorti un chauffeur, il a écouté déjà par les vins qui papa. Par les vins de papa, depuis 16h. Les lots, à 4h, il a bien la bise, il a mon nom, il a cherché le bain, il a soin de. Il a 4e, il a été avec 2 balles. Il a été bien. Tout ça, il a été la justice en Boca la bise. Toujours ensemble, toujours Moïse Katumbi. Toujours Martin Fayoulou. Donc, tu évites tout ça, Lénine. Il faut que Dieu soit en prison. Mike Moukeba est prison. Kalonda, prison. Malonda, prison. Chériba Okem est mort. Sibi, enlevé devant le cour constitutionnel, trois militaires. En tenue comme ça. Bah, levé Bakena. Donc, tu as la siège nationale, et si Kamoutema et Chériba Okem des Alakaraoua, tu as la deuil, puis tu as militaire ensemble. Tous en adhèrent, tous à tout émotionnel. Tout le monde a mon loco à théâtre, mais tous ceux qui n'ont gouvernement, attaquent la mission Macambo. Ceux qui gouvernement ont été la mission Macambo, tous les appâts, c'est ce que tu consiles la mission. Et c'est ce matin qu'on nous a dit que non, on a retrouvé le corps de Chérubin, pas Chérubin, mais son corps et son véhicule dans le tronçon de Poalo. Voilà, le comité directeur de Ensemble pour la République. Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Chérubin Okende Senga,
député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de poids lourd à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui envoyée par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikosso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Ndjili. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiqueté proche du président d'ensemble, tel que Franck Diongo. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République, Mbujimayi, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, serve d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chérubin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chérubin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chérubin était une personnalité reconnue et très apprécié tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ce Congo malmené. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ce crime d'État qui ressemble en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre hommage un hommage digne à notre frère Chérubin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. Merci. Je vais retourner à la machine.
Ah.